T'as eu des 20 sur maths? Oui. Ça m'étonnerait tout ça. Délirance redouble, c'est quoi ces notes? 20 sur maths, ça m'étonnerait que tu... Mais j'ai pas triché, je jure. Ne crie pas, tu vas passer du CE2 à la 6ème en un jour. J'ai pas d'amis, j'étais tout seul dans les couloirs. Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Bah alors qu'est-ce qui se passe, Lily-Rose? J'ai eu 20 sur 20 à plusieurs exercices. T'as eu 20 sur 20? Ouais. Ah oh, mais c'est super ça, c'est super. J'suis trop contente. Donc en fait ce que tu vas... Oh bah c'est génial. Bah ouais. Mais t'as eu 20 sur 20 en quoi du coup? Bah en maths, en français, en géométrie, en géographie. Dans toutes les matières? Ouais. T'as fait 0 faute. J'suis trop contente. T'as eu 0 faute dans toutes les matières? Ouais. T'es la seule de la classe ou pas? Ouais. Non, t'as triché, c'est pas possible. J'ai pas triché. Non, mais t'as triché pour avoir ça, c'est pas possible. T'es sûre et certaine? Oui. Bah, tu vas me montrer ça tout de suite. Hein. Ok. Bah, attends, va pas chercher ton sac. Parce que, non, mais là, j'ai vraiment du mal à y croire. Alors, surtout, mettez un petit pouce bleu, 1500 pouces bleus. Et dites-nous en commentaire si vous y croyez. Hashtag j'y crois ou hashtag j'y crois pas. Parce que là, j'ai vraiment du mal à croire Lily Rose. Dis donc, Lily Rose. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'as eu des 20 sur maths? Oui. Ça m'étonnerait tout ça. Parce que moi je suis allé sur le site de l'école et Esteban, elle t'a dit qu'elle redoublait? Non. Elle m'a dit qu'elle a eu que des 20 sur 20 en français, en histoire, en maths et tout. Ah non, et qu'elle a eu tout. Non, c'est pas possible, je suis allé sur le site. Délirance redouble. C'est quoi ces notes 20 mais sur 20? Ça m'étonnerait que tu. Avec des notes 20 sur 20, ça m'étonnerait que tu redoubles. Mais j'ai pas redoublé? Non. Ah mais... Si, j'ai bien vu sur le site. Délirance redouble. Comment ça se fait? Mais je sais pas. Tu me mens ou quoi? J'ai que des 20 sur 20. Ah bah, bon? Et il est où ton contrôle? Dans mon cartable. Bah montre-le moi alors. Non, je sais pas le suivre devant la caméra quand même. Ah, non mais je sais pas si... Elle a ouais, il faut vérifier tout ça. Il y a mon nom sur tous les pages. Tu mens ou pas? C'est important. Mais je mens pas. T'es sûr? Et oui. Pas la peine de crier, pas la peine de crier. Parce que moi j'ai un doute là. Alors il y a Lily Rose qui dit qu'elle a eu 20 sur 20 et toi qui dis qu'elle redouble. Bah oui, moi j'ai vu qu'elle redoublait sur le site. Parce que normalement si elle a eu 20 sur... Moi aussi j'ai regardé sur le site de l'école. Normalement si elle a eu 20... Bah non, c'est toi tu peux pas aller voir sur le site. Mais le site de l'école, carrément de la directrice. C'est que t'as reçu le bulletin ou les notes. Tu peux pas dire que t'as eu 20 sur 20 comme ça. Je pense que t'as fait une erreur, c'est pas possible. Mais c'est pas fait d'erreur. 20 sur 20 en quelle matière? Ça tombe, voilà. Ça tombe, c'est parce qu'elle a triché et du coup elle va devoir redoubler. Non, j'ai pas. Mais j'ai pas. J'ai toujours dit Lily Rose ne triche jamais. Mais j'ai pas triché, papa. Bon. Bah y a intérêt parce que. Il y a un moyen de le savoir. De quoi? Bah, il faut y aller, on sait pas. Non. Parce que là, si tu redoubles à cause de la tricherie, c'est grave quand même, heureusement. Mais si t'as vraiment eu 20 sur 20, tu vas passer au collège, genre tu le sais très bien. Parce que si tu sais déjà tout faire, ça sert à rien que t'ailles en CM1, en CM2. Bah oui, carrément. En plus, c'était le contrôle de. En fait, il y avait un peu de CM1, un peu de CM2. Donc, on va aller chercher. On va chercher sur la tablette. Mais pour moi, tu redoubles. Oh, donc, je vais aller voir sur le site. Alors, bah il est marqué Lily Rose redouble. Regarde, enfin je vais pas montrer parce qu'il y a notre nom et tout, mais Lily Rose redoublement, tricherie, a fait croire à tout le monde qu'elle avait 20 sur 20. Mais j'ai pas triché, je jure. Ne crie pas, c'est pas la peine de crier. Non mais c'est pas possible, là... Mais je le jure, j'ai pas... Bon, on va téléphoner au proviseur. J'ai même pas envie d'aller voir la maîtresse en fait, là, parce que ça va pas du tout. Ah si, c'est le seul moyen de savoir. Donc on va voir, donc on va appeler la maîtresse, on va pas aller à l'école, donc tu vas l'appeler. Ouais, on va l'appeler, je vais l'appeler. Et ensuite tu vas nous dire, on va pas filmer parce que c'est pas respectueux pour la maîtresse. Là, j'y vais. Et ensuite tu vas nous dire de quoi... Mais j'espère que t'as pas triché, j'espère que c'est une erreur. Mais j'ai pas triché en parce que sinon, moi aussi j'espère que c'est une erreur parce que Lily Rose j'aime pas. Ah, les abonnés vont pas être contents et même nous. Bon allez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Bon, merci. Bon je allez, à tout de suite, à tout de suite. A few moments later. Oui alors vous m'assurez que Lily Rose c'est une erreur de votre part et qu'elle passe. Elle passe en sixième. Et c'est quoi alors le fait qu'elle redouble? J'ai vu sur votre site que Lily Rose redouble. Ah oui, donc c'est bien une erreur. Ah d'accord, c'est en échange, c'est avec une autre... C'est vrai? Oui. En fait... Oh non, trop bien! Elle s'est trompée avec une autre élève. Bah, je décroche. Avec quel élève? Allez, décroche! Je ne sais pas. Raccroche. Allez, raccroche! Ok, je vous remercie. Bon, à bientôt. Elle passe en sixième, c'est trop contente! Elle va passer donc, en sixième. Donc apparemment, ouais. Alors, ce qu'elle m'a dit, c'est que tu passes en sixième, mais tu passes en sixième dès demain. Dès demain?
dès demain. Mais c'est pas de cahier exprès. Mais c'est-à-dire que tu vas passer du CE2 à la 6ème en un jour. Mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Avec la carte Kiwi. Allez, donc allez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer. Ils vont te donner des cahiers là-bas. Mais ça va être trop compliqué en 6ème, je comprends. Bah non, apparemment, avec les notes que t'as eues. Avec les notes que t'as eues, apparemment, tu sais tout faire. Donc effectivement, t'as bien eu des 20, des 10, un 19,5. En toutes les matières en plus. Qui te passent, qui t'ont passé. Je pense que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'école, un truc comme ça. Parce que passer du CE2 à la 6ème direct. Mais je suis trop contente. Bah du coup là tu vas préparer tes affaires, donc parce que tu vas devoir racheter tous les cahiers, tous les livres et tout. Mais non, en fin d'année, elle m'a dit qu'ils vont fournir en fait tous les cahiers, les crayons. Donc là, ça sera. On est en fin d'année là. Donc et à la rentrée, il faudra racheter d'autres cahiers. Là, on va accompagner Lily Rose jusqu'à son collège parce qu'elle y va dès aujourd'hui, du coup, forcément. Bah, dès demain, ouais. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va l'accompagner. Donc, suivez-nous en vidéo. Oula, petit éternuement. Donc, on y va tout de suite. Hein, on va voir comment ça va se passer. Ouais. Allez, on espère qu'ils vont être gentils avec toi. Parce que t'es vraiment. Parce que j'ai trop peur. Là. Allez, parce que allez, t'es c'est parti. Parce que t'es vraiment petite quand même. Super chaussons en fait. Non. Allez, donc on y va. Allez, c'est parti. Que voilà, donc là, on accompagne Lily Rose en direction. Si, quand même. Je pense qu'elle est trop bien. Tu mérites. Elle a passé tout. Attends, chut. Elle a passé tout. Bon, voilà. Elle est là, Lily Rose. Résultat dans de l'école. Là. Allez, donc c'est ici. Donc, bien sûr, là, c'est pas la rentrée normale parce que Lily Rose. Ils nous attendent là. Bah, ils nous attendent. En fait, tu vas pas rentrer avec tous les autres élèves. Ouais. Là, tu vas rentrer alors que les cours ont déjà commencé. Comme ça, ils vont te présenter. Elle stresse à mort à d'elle. Allez, ça va bien se passer. Donc, allez, on espère que ça va bien se passer. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas y aller. Allez, tu peux frapper. Salut, allez, Lily. À tout de suite. Allez. Allez, rentre tout de suite. Hein. Allez, au revoir. A few moments later. Ça m'énerve. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au collège? Tu vas au collège. Bah oui, t'as passé ta journée au collège. Ils m'ont dit que j'étais petite, que j'étais en intrus. J'ai pas d'amis, j'étais tout seul dans les couloirs parce que je me suis perdue. Elle s'est perdue dans les couloirs. Tout le monde a rigolé. Je suis allé voir la directrice. Bon, c'est sûr, elle m'a dit bon, t'étais perdue, tout ça, mais tu t'es quand même bien débrouillée. Dans la classe. Bon, c'est sûr que Lily, tu connais personne. Mais l'année prochaine, là, t'as vu quand même beaucoup d'élèves. Non, mais ça on n'est pas d'accord. Mais je veux pas, mais ça m'énerve. Bah oui, donc apparemment, sa première journée au collège s'est mal passée. Enfin, c'était une demi-journée en plus. Et donc, il s'est passé plein de trucs. Donc, personne voulait être son ami. Y a personne que tu connaissais, Lily? Bah non, mais ils ont 2 ans de plus qu'elle, imagine. Ah, elle a 9 ans, ils ont 11 ans. Ah oui. Et en plus, il y en a qui ont même 12 ans ou 13 ans. J'aurais 12 ans, moi aussi. Bah ouais, donc imagine, ils ont 3 ans de décalage. Ils ont 3 ans de décalage, du coup, en plus, t'es petite, donc ils l'ont trouvé. Ouais, mais bon, c'est la première journée, voilà. Et en plus, ils ont dit, j'ai entendu. C'est la dernière. Phase de. En plus, ils ont dit que ton sac, que c'était pour les bébés et tout. Et que, c'est vrai. Que tu jouais. C'est un beau sac, que tu jouais à des jeux de bébés, les poupées LOL et tout. Ils ont dit ça. C'est pas des jeux de bébés, les poupées. Bah non, c'est pas des jeux de bébés. Ils ont dit plein de trucs comme ça. T'as discuté de quoi alors? Voilà. T'as discuté avec personne. Avec la maîtresse peut-être? Oui, un petit peu quand même. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit que je faisais du bon travail, mais les élèves de la classe, c'est normal, ils sont tout le temps comme ça avec les nouveaux. Oh là. Ah oui, bon. Mais qu'ils restent comme ça au moins pendant un an et demi. Bon, un an et demi. Ça sera en septembre. Ah non, je me suis trompée. 6 mois. Ça ira mieux en septembre, Lily. Voilà, là, donc, t'as déjà vu comment c'était à l'intérieur, voilà. Hein? Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est les élèves avec qui tu seras l'année prochaine ou non? Ça dépend. Donc là, je sais pas si on va faire une suite à cet épisode parce que là, Lily Rose, peut-être une suite de Lily Rose au collège parce qu'on sait pas comment ça va se passer. Ça va mal se passer. En septembre, ça. Dites-nous ce que vous pensez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que elle a eu 20 sur 20, donc vous le savez maintenant. Donc je pense qu'on peut terminer là. Donc on va faire la bulle magique, on va faire ça, etc. Donc ouais. Un bilan quand même, t'en as pensé quoi? Bah c'est bien que je passe en 6ème parce que je suis plus intelligente que les autres. C'est faux, t'as juste eu une chance incroyable. C'est que t'as appris tes leçons, voilà, ouais. Tu les as bien apprises. Et que voilà. Je suis triste quand même. Donc on va faire la bulle magique, donc on se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai tiré la bulle magique. Donc merci beaucoup à Ella, à Sine, à
Lina, à Johan et à Shaina. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye.